Voici les bonnes nouvelles. S'étirer est l'un des moyens les plus faciles pour augmenter notre bien-être. C'est aussi gratuit. Et parfois, je pense que c'est là qu'est le problème. Nous n'attachons pas de valeur à quelque chose de gratuit. Mais quand vous y pensez, les meilleures choses de la vie le sont. L'étirement permet d'augmenter la circulation sanguine, l'influx nerveux de votre moelle épinière et le fonctionnement de vos organes. Sans oublier vos muscles et articulations. C'est l'une des choses les plus efficaces que vous pouvez faire pour commencer la journée du bon pied. Ce que nous apprendrons ici est une technique d'étirement simple et efficace qui ne prend que 60 secondes. On la qualifie de puissante parce qu'elle travaille sur une quantité incroyable de muscles et d'articulations de votre corps en seulement une séance de 60 secondes. Les meilleurs moments de la journée pour l'effectuer sont le matin, tout de suite après votre douche, parce que vous êtes déjà détendu et réchauffé. Ensuite, en milieu de journée avant de manger, vous libérant du stress accumulé jusque-là, vous reconnectant sur votre corps afin que vous ne surmangiez pas. Puis troisièmement, en fin de journée ou avant votre dernier repas, pour éliminer de nouveau les tensions accumulées de votre corps. Et parce que vous êtes détendu et que vous êtes connecté sur votre corps, vous ne mangerez pas autant. Peu de gens ne se rendent compte que l'étirement sur une base régulière peut aider à réduire la quantité de nourriture ingérée. Une chose que vous voulez penser est de ne jamais vous étirer à travers la douleur. C'est une règle d'or. Si vous étirez pour la première fois en 20 ans, ne vous attendez pas à vous rendre aussi loin que le modèle que vous verrez ici. Prenez votre temps. Avancez peu à peu et éventuellement vous y serez. 3 ou 4 mois de ceci et vous serez étonné de voir comment vous aurez progressé par rapport au début. L'autre chose que je veux que vous fassiez est de lire les chapitres sur l'étirement dans le livre Feel It, Heal It, disponible en anglais. Il y a une richesse d'informations qui s'y retrouvent. Étirez vos deux mains au-dessus de vous, vos doigts s'étirant jusqu'à toucher le ciel. Étirez le côté de votre corps, sentant vos côtes s'ouvrir, puis s'étirer. Montez sur le bout de vos orteils, si vous le pouvez, pour obtenir davantage d'étirement et d'ouverture à travers tout votre corps. Si vous allez sur la pointe des pieds, vous pouvez trouver plus facile de faire quelques pas vers l'avant. Continuez, puis sentez comment cet étirement ouvre magnifiquement le devant et les côtés du corps, du cou, des poumons, de la poitrine, du diaphragme, du système digestif et des côtes. Cet étirement fonctionne sur le corps tout entier des muscles, du mollet aux muscles du cou, en passant par les ischio-jambiers et le dos. Laissez-vous pendre vers l'avant, respirant profondément, comme si toute votre colonne était un spaghetti mouillé. Le poids de votre tête, des bras, des épaules s'étirent vers le bas, laissant les vertèbres se séparer et les muscles se relâcher. Si vous êtes trop tendu, pliez vos genoux et prenez votre temps. Quelques mois suffiront pour aller plus profondément. Respirez et continuez de libérer votre corps en vous laissant aller dans la sensation. Debout, jambes largeur des épaules. Amenez votre main gauche sur votre hanche gauche. Amenez votre main droite vers le haut et laissez-vous descendre doucement sur le côté en permettant au poids de votre tête de vous guider à étirer tout le côté droit ainsi que votre cou. Détendez votre bras en respirant profondément pour vous libérer. Utilisez votre main pour vous ramener, puis faites la même chose de l'autre côté. Main droite sur votre hanche, amenez votre main gauche vers le haut, laissant votre corps descendre doucement sur le côté. N'oubliez pas de respirer et de sentir l'étirement dans tout le côté de votre corps jusqu'au cou. Revenez debout. Deux fois sur chaque côté vous donnera de meilleurs résultats. Cet étirement est un peu avancé, alors prenez votre temps. Il est conçu pour inverser ce qui se passe lorsque vous êtes penché vers l'avant, lorsque vous êtes à l'ordinateur, lorsque vous étonnez votre enfant, quand vous êtes en voiture, il vous ouvre de nouveau, permettant la circulation sanguine au système nerveux et au système digestif de se recalibrer à la façon dont ils sont censés être.
La plupart des gens commencent suite à cet étirement qui se sentent relâchés et mes patients me répètent que c'est leur étirement préféré. Je me demande comment vous vous sentirez lorsque vous le ferez. Prenez votre temps et allez-y doucement. Debout, espacez vos pieds à la largeur des hanches de sorte d'être bien ancré dans le sol. Amenez vos deux mains derrière le dos en entrecroisant vos doigts, les paumes se touchant. Prenez une bonne grande respiration, expansionnant votre poitrine. Laissez vos épaules détendre et votre tête arquée vers l'arrière, sentant l'avant de votre corps s'ouvrir. Soufflant l'air en faisant un bruit sur l'expiration et laissez-vous revenir doucement. Vous pouvez rester dans cette position plus longtemps si vous le souhaitez. Une fois revenu, profitez de la sensation de votre corps s'étant ouvert et libéré. Venez-vous de terminer votre première puissante pause d'étirement? Comment vous sentez-vous? Plus vivant? Plus d'énergie? Un peu plus vrai? Maintenant, vous savez pourquoi. Le système nerveux fonctionne mieux, le sang circule mieux, les muscles et articulations sont plus relâchés, vous êtes à un niveau supérieur, plus connecté et c'est la façon dont vous êtes censé être. Profitez de ce sentiment chaque fois que vous faites cette pause et souvenez-vous que vous investissez dans le meilleur investissement qui soit vous.